faire les révisions sur le chapitre des transformations, on va faire le QCM. Alors d'abord la symétrie, puis la translation, puis la rotation. Nous commençons par la première question. Transformer une figure par symétrie. Alors ils nous disent, pour passer de la figure 1 à la figure 2, puis à la figure 3, qu'est-ce qu'on a effectué? Donc, pour passer de la figure 1 à la figure 2, puis de la figure 2 à la figure 3. Est-ce qu'on a effectué d'abord une symétrie axiale et une symétrie centrale? Est-ce que la figure 1 et la figure 2, ils sont symétriques par rapport à un axe, par rapport à une droite? Est-ce qu'on peut trouver une droite, là, quelque part, qui rend ces deux figures symétriques? Non, c'est impossible. Ça se voit que ces deux figures ne sont pas symétriques par rapport à une droite. Si on regarde bien, ces deux figures sont symétriques par rapport à ce point-là. Regardez, l'image de ce point-là, c'est celui-là. L'image de celui-là, c'est celui-là. De celui-là, c'est là. Ces deux figures, elles vont être symétriques par rapport à ce centre-là. Donc ça va commencer par une symétrie centrale. Est-ce qu'après, c'est encore une symétrie centrale ou est-ce qu'après, c'est une symétrie axiale? Donc entre ces deux figures-là, si c'était une symétrie centrale, il faudrait que par exemple, alors là, si on regarde bien, l'image de ce point-là, c'est ce point-là. Et l'image de ce point-là, c'est ce point-là. Est-ce que ces deux droites se coupent, passent par le même centre de symétrie? Non, pas du tout. Elles sont même parallèles. Et elles sont toutes les deux perpendiculaires à cet axe-là. Donc en fait, cette figure et cette figure sont, sont symétriques par rapport à cet axe-là. Et ces deux figures sont symétriques par rapport à ce centre-là. Donc pour passer de la 1 à la 2, symétrie centrale, et de la 2 à la 3, symétrie axiale. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. Maintenant, deuxième, quand on transforme par une translation, donc on a la figure bleue, on veut savoir laquelle des figures rouges ou roses est, donc laquelle des figures roses est l'image de la figure bleue par translation. Quelle translation qui transforme A en B? Pour passer de la figure bleue à la figure rose, on doit faire 3 carreaux, 1 carreau. Ici, 3 carreaux, 1 carreau. Ça a l'air bien. 3 carreaux, 1 carreau. Celle-là, ça a l'air bien pour le moment. Si on regarde ici, ben ça se voit que ce n'est pas une translation, parce que cette figure elle est plus haute que celle-là. Si on regarde ici, ben, elles ont plutôt l'air d'être symétriques par rapport à un point. Parce que si on translate, le côté qui est plus petit doit rester à gauche, et le côté qui est plus grand, il doit rester à droite. Donc là, ça ne marche pas. Là, je pense que c'est symétrique par rapport à ce point-là. C'est une symétrie centrale par rapport à ce point-là. Ici, ce n'est pas une symétrie du tout, les figures ne sont pas les mêmes. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A. Et maintenant, pour finir, dans les rotations. Dans quel cas la figure violette est une rotation de la figure verte par le centre O et l'angle 45 degrés? Donc nous, la figure de base, c'est la figure verte, et on cherche laquelle, parmi celles-là, sont des rotations de la figure verte d'angle 45 degrés et dans le sens anti-horaire, ça veut dire dans ce sens-là. Donc si je fais par exemple l'image de la figure verte, là, si je fais l'image de la figure verte par rotation dans le sens anti-horaire, ça veut dire comme ça. Et dans 45 degrés, ça veut dire que, par exemple, ce trait-là, ce côté-là, il doit être, on doit lui faire un angle comme ça de 45 degrés. Et ça va le faire venir ici. Parce que l'angle entre ce trait-là et ce trait-là, c'est exactement 45 degrés. C'est la moitié d'un angle droit. Ici, ben, pour passer de la figure verte à la figure violette, dans le sens anti-horaire, on fait beaucoup plus que 45 degrés. Ici, pour passer de la verte à la violette, dans le sens anti-horaire, on fait beaucoup plus que 45 degrés. Donc la bonne, c'était celle-là. La bonne réponse, c'était la réponse A. Ici, on voit bien que si on va dans le sens anti-horaire, c'est pas 45 degrés. Et ici aussi, on voit bien que ça, c'est plus que 45 degrés. Par contre, ici, c'est 45 degrés. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A. Voilà, on a terminé pour les révisions aujourd'hui. Travaillez plus sur ce chapitre, revoyez bien des choses un peu plus difficiles que ce qu'on a vu. Et vous avez toutes les corrections de presque tous les exercices dans vos cahiers. Et demain, on continuera les révisions. On va continuer. Demain, on va faire. Non, demain, vous n'avez pas cours. Après-demain, on fera des révisions sur les quadrilatères.